Ça. Vous savez que les périodes où ils ont les messages pour vous, je dois absolument parler. Donc, comment est-ce que je peux savoir que je suis choisie? Je vais vous donner quelques signes. On avait déjà parlé de ça avril, mai, non, au mois de entre septembre et de décembre. Voilà, j'ai beaucoup parlé de ça. Donc, j'ai beaucoup d'abonnés qui sont nouveaux sur la page. Donc, je vais vous faire une sorte d'update. Un choisi a beaucoup de caractéristiques. Premièrement, tu es très souvent détesté par ta famille. Et parfois, tu ne comprends même pas pourquoi. Peut-être c'est ta mère. Bonsoir, le roi Fosso. Peut-être c'est ta mère qui te déteste. Peut-être c'est tu as grandi avec ta tante. Parfois, même tes soeurs ou tes frères te détestent parce que tes parents t'aiment trop. Bonsoir, le roi Célestin. J'ai pas pu répondre à tout le monde. L'inbox était saturé sur WhatsApp. Donc, j'ai juste répondu à quelques personnes. Je vais répondre après encore. Donc, Aurélie, c'est parce que tu es fake que tu prétends. Quand tu arrives devant les gens, tu ne. Sois vrai. Sois vrai. On va te donner l'argent que tu cherches. Mélène, pas forcément. Le parfum peut signifier quelque chose. Bon, attendez, je vais enseigner sur les choisis. Parce que c'est ce que j'ai à vous dire, ça va vous aider. Donc, les choisis sont généralement détestés. Et les gens qui vous détestent, en fait, ils le font parce qu'ils sont menacés par vous. Il y a quelque chose en vous qui les menace. Genre, tu as quelque part, quelqu'un voit. La personne sent que tu seras riche. Tu viens d'arriver dans un pays, tu viens d'arriver en Angleterre, supposons. Tu es choisi, la personne voit en toi, tu es intelligent, tu es ceci. Ça l'énerve. Il y en a qui ont même monté des coups contre les autres personnes pour qu'on les rapatrie. Parce qu'ils ont vu que, avec l'énergie que tu as, si tu fais seulement 2 ans là-bas en Angleterre, tu vas faire ce que eux ils n'ont pas pu faire en 15 ans. Ouais, un peu. Donc, je rappelle que je n'ai pas répondu à tout le monde parce que. J'ai fait un long voyage, donc je vais un peu me reposer. Ça fait beaucoup, c'est beaucoup d'énergie pour lire vos énergies, tout cela. Oui, Marie, là, je vais te répondre. J'ai répondu à quelques personnes. Tout à l'heure, je vais continuer. Donc, première chose, hein. Un choisi. C'est quelqu'un qui est détesté parce qu'on sent en toi. Ils sont intimidés.
pas la puissance qu'ils sentent en toi. Donc, quelqu'un te voit, il voit, tu es d'abord belle, tu as les belles jambes hackées. C'est moi, j'ai ri. Est-ce que vous savez quelqu'un pour vous détester parce que vous êtes belle? Hein? Tu as les jambes hackées, ça l'énerve. Alors que si elle prend tes jambes, si elle te tue, elle ne va pas avoir les jambes hackées, mais elle va te détester. Je ne savais pas que j'allais encore. Avec toute la fatigue ici, je ne savais pas que j'allais encore rire. Bon, la personne voit, tu as les belles jambes, tu as un beau ventre. Alors que tu as trois enfants, tu as un beau ventre plat. Elle est là, un enfant, son ventre est gros, ça l'énerve. Ou bien vois-tu une belle poitrine là, tu es bien formé. Tu marches avec tes pieds arqués comme ça là. Je sais pas. On peut te détester pour rien, pour les belles trucs. Tu marches avec ton charisme, ça l'énerve. Oh. Ça énerve la personne. Donc, comment savoir où tu es choisi? Tu es détesté, tu es très détesté par les gens. On te met, tu viens chez ta tante vivre dans la chambre de dehors. Voilà, tu es brune. Oh. Quand elle te regarde comme ça là, elle, son gari comme ça là. Elle voit, ta peau est lisse. T'as même pas un bouton. Hein? Écoutez, on m'a trop détesté, je ne sais pas pourquoi. Je ris comme ça parce que c'est maintenant que je comprends que les gens l'avaient senti mon énergie depuis. Tu arrives quelque part, peut-être tu es tellement gentil. Tu arrives, son mari dit, mais c'est qui là-bas? Oh, elle dit, c'est ma nièce, c'est ma nièce, c'est l'enfant de ma fille, c'est l'enfant de ma soeur. Il dit, waouh, elle est tellement gentille. Waouh, ta nièce, elle est gentille. Elle te déteste. C'est ta tante. Oh. Bonsoir, ma fille Nadine. Elle te déteste. S'il y a moyen, elle parle même contre toi. Oui, on dit que tu as de grosses fesses. Alors qu'elle voit les fesses Kardashian que tu as là, ça l'énerve. Mais les choisies sont belles. Les femmes choisies sont belles. Il dit que Bastos, tu as tes 45 piches comme ça là. Les jeunes de 22 ans te draguent encore. Ça énerve tes soeurs. Tu mets tes pantalons aux alas, mon frère, ça moule tes fesses là. Ah! Moi-même, c'est là, je parle souvent des choses, ça m'amuse seul. J'ai fait mon comment parler des choses comme ça là, moi-même. Ok, bonsoir la reine Olga. Écoutez, c'est tellement subtil. C'est comme ça que vous allez reconnaître vos personnes qui sont jalouses là. Tu t'habilles, tu sois avec ta soeur le soir là. Tu viens de Meng. Elle te voit et ne te dit pas que tu es bien habillée, que tu es belle. Vous sortez toute la soirée là, les gens t'apprécient, ça l'énerve. On dit waouh, waouh. Et la robe que tu as mis, la cymbale, tes fesses alors que mamie. Cinq hommes te draguent dans la soirée là, le voilà. Ta tante t'a joué une joie en face qu'elle attend ta faim. Maman. Hein, Rosine, elle attend ta faim. Et oui. Et le genre de personnes là, pour savoir ce que tu as choisi, ces personnes-là veulent toujours montrer tes défauts.
Tu es quelque part comme ça là. Waouh, t'es devant, waouh. Là, elle va venir dire, ouais, mais tu as mangé, tu n'as pas déposé l'assiette là-bas. Tu as déposé, okay. Voilà, ta fourchette est tombée tout à l'heure quand tu mangeais. Mais c'est quoi? On vient de me dire que je suis belle. Attends que je réponds même que merci, non. Hein? Oui, cherche à vous rabaisser. Au revoir, Fombo, comme bonjour. On cherche à te rabaisser pour rien. C'est encore pire quand c'est même ton homme alors. Oh, pourquoi tu veux bien t'habiller pour partir là-bas? Mais chérie, voilà la bague sur ma main. Tu crois que je n'ai pas cherché les hommes alors que tu seras à côté de moi? Non, non, moi, il ne veut pas. Parce qu'il ne veut pas que tu sois très belle. Il y a les hommes qui sont jaloux de leur femme. Hein. Vous arrivez quelque part comme ça là. Quand il a commencé avec toi, il savait que tu es choisi. Amen, le doux Tchana. Il dit que. Il savait que tu es choisi, il commence avec toi, il te dit non, ça va aller, tu peux toujours continuer à faire tes trucs. Dès que vous commencez à sortir ensemble, hop, hop. Voilà, tu peux pas, elle mange le trois plats, elle ne dit pas que c'est bon. Ce sont les petits signes comme ça là. Hein. Tu es là avec l'homme comme ça là. Ouais, mais pourquoi tu veux partir encore là-bas? Mais il faut laisser, non, pourquoi? Parce qu'il sait que dès que tu vas arriver là-bas, oh, bah, ta femme, vraiment, on le complimente pour que ta femme, elle est gentille. Ta femme, elle est. Il ne veut pas. Oui, mais franchement, c'est seulement une fois en passant qu'elle est comme ça. Hein. Tu vois, parce qu'elle s'est décidée à entrer à la cuisine aujourd'hui. Il faut qu'il montre aux gens que tu ne peux pas pas souvent. Donc, il y a c'est pour savoir que tu es choisi, hein. Même au bureau, tu as les collègues que tu ne comprends pas ce que tu leur as fait. Parce qu'ils savent. Et ils vont toujours tout faire pour que toi, tu sois la plus gentille, pour te rabaisser, pour qu'ils t'aiment. On fait la ronde. J'ai besoin, tu es docteur, je sais pas trop. On fait la ronde. Anissa Siani, si tu es décepticon, tu quittes ici. Tu entres dans une pièce, tu vois les gens sont en train de parler. Assois-toi, tu écoutes ce qu'on dit d'abord avant de parler. Quand on te donne la parole, tu parles. Ta mère ne te fautait pas quand tu étais petit. Tes collègues là, ils sont toujours en train de vouloir te rabaisser. Ouais, mais tu fais la ronde et tu nettoies tous ces biens. Ils vont venir dire que, mais attends, tu n'as pas. Regarde celui-là, regarde là-bas, en haut, là-bas. Dans le rapport. Ouais, tu vois, Jocelyne, elle n'a pas fait. Ouais, vous voyez ici. Parfois, hein, Nikes, tu vas même trouver même un homme qui va te faire la jalousie là. Parce que ces personnes-là sentent votre énergie, votre puissance. Et ils savent que ils ne peuvent pas. Ils ont à tout faire monter les coups. Ça n'a pas marché. Maintenant, il faut qu'il vienne vous atteindre avec les mots. Tu achètes ton nouveau sac. Ah ouais, on vend le sac à Château Rouge là-bas, non? On vend ça là-bas. Ah non. C'est le sac de 50, 50 euros là, non? 5 personnes ont apprécié ton sac le soir là. Il faut que la personne. Ah mais ce sac de 50 euros, non? La reine Chavrine, que je suis trop forte en vision. Il faut appeler la personne qui doit venir chez moi, un truc dans ma képé. Il faut que la personne passe aujourd'hui ou demain. La reine Chavrine. Donc tu dois. C'est comme ça que tu as un signe qui te fait savoir que tu es choisi. Parfois qu'on s'assoit pour comploter contre toi. Et c'est même le cinquième complot.
ça ne réussit pas. Il faut en fait, pour savoir que tu choisis tout ce qu'on te fait de mal, après ça tourne encore, ça revient pour ton bien. Je me dis, ah, on te pose le piège. C'est quand on vient te donner la médaille parce que tu as vaincu l'étape là. Oh, vraiment, on est très fier de toi. Oh. C'est là que tu te rends compte qu'ils étaient partis pour faire le plan derrière, ça n'a pas marché. Ça a plutôt tourné pour te donner l'avantage. Oui, on t'insulte sorcière, c'est ça. Parfois, on donne les paroles pour te toucher. Pour toucher ta confiance en toi. Parce qu'ils ne veulent pas que tu saches. Ma vie a changé quand j'ai su. Écoutez-moi bien. Quand j'ai plus raison, ça dit que je suis choisi. Je reste devant une tanticone, onclicone, décepticone, dragueticone, fiancéticone. Je dis, hoha, I'm a chosen girl. Je suis spéciale. Maintenant, je n'ai plus la peine à dire. Je suis spéciale. I'm a special girl. I'm a special girl. Come on, I'm special. I'm special. Yes. Aujourd'hui, je suis entrée dans l'avion comme ça, là, pour rien. Il y avait trois hommes qui étaient nos hôtes. Et deux étaient un peu désagréables, le troisième, tellement gentil avec moi. Et là, je me suis dit, waouh, au moins donc de donner la nourriture, il me demande est-ce que j'ai besoin de quelque chose. J'étais pas en business class. Quand je vais monter en business class, je vais vous dire que je pourrais monter en business class, vous inquiétez pas. Je lui dis, ok, quand il faut donner la nourriture, faut venir me dire, ah oh oui, la reine Sylvia, tu es sûr que tu avais des ancêtres en Afrique? Je vais te donner, tu vas t'appeler Magne. Tu as compris? La reine Sylvia, je vais maintenant t'appeler Magne. C'est voilà ton nouveau nom, Badjounet, que j'ai donné. Oh, you are. Tu m'amuses trop. Donc, au moment de donner à manger, il vient me voir. Il me donne le repas qu'on donne aux gens en first class. Je regarde, je dis, tu, il a chauffé tout, tout. Tout le monde avait des trucs froids. Il vient, il me sert spécialement pour moi. Je l'ai regardé, je lui dis, tu sais quoi? Je te bénis. J'ai béni l'homme là du fond de mon cœur. Il ne savait même pas qui je suis. Et j'ai commencé à comprendre que quand tu acceptes que tu es choisi, certes, ça vient avec les jalousies des gens parce que les gens sont. Je sais pas vous dire combien de jalousies ont doublé, triplé, quadruplé derrière moi. Mais je ne vois même plus les jalousies en fait. Genre, je vous ai dit que je suis arrivé, il y avait trois hommes qui nous servaient. Deux n'étaient pas très très gentils, mais bon, je ne les ai même pas vus. C'est genre, il arrive sur le téléphone. Madame! Vous devez arrêter votre téléphone. Je dis, mais attends, parle-moi même doucement, non, c'est quoi? Tu me connais où? Mais, je n'ai pas moi prêté attention à ça. Donc, tu vas commencer à voir que il y a les gens qui vont être en ta présence, ton énergie. Les enseignements que vous écoutez ici chez moi, là, votre énergie est en train de s'activer. Il y a les dons en vous, hein, que ça ne s'était pas activé jusqu'à ce que vous m'écoutiez. C'est pour ça que souvent quand vous m'écoutez, on sent vos mains picotent, vos pieds picotent. Bonsoir la reine Camden. Ça picote. Tu ne sais pas pourquoi que tu m'écoutes comme ça, tu es tout excité. La reine Marcella, merci. Donc il y a des gens qui sont en votre présence. Votre énergie, votre puissance. C'est trop pour eux. Et ce sont les Decepticons. Ils se sont soumis à certains esprits. Souvent, tu arrives et tu te demandes bonjour à une réceptionniste. Oui, madame, qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous? Asseyez-vous là-bas. Asseyez-vous là-bas. Tu regardes devant vous là.
Tu Wanda, que mamie, on a discuté l'homme. J'ai pris ton mari. Tu t'assois seulement, tu dis que c'est le problème. Parce que qu'elle a vu ton énergie, la puissance qu'il y a. Vous ne pensez pas que vous portez la puissance, non? Croyez toujours que vous êtes simple, simple là. Elle ne pouvait pas. Elle est belle. Elle sent bon. Maman, elle a les pieds à quai. Bien que là me plaît. Tu mets tes talons, ça donne. Tu mets le pantalon, ça donne. Ça énerve les gens. Hein? Tu arrives comme ça, ta voiture est belle. Tu as gagné une belle voiture. Il dit, qu'est-ce que je peux faire à la fin pour que ça énerve? Asseyez-vous là-bas, madame. À cause de vos pieds. Continuez à rire. Oh, vraiment. Maintenant, un autre signe qui peut te faire savoir que tu es choisi. Très souvent, les gens complotent contre toi. Ah oui, mais c'est là. Tu peux interagir. Vous allez voir que les gens vont souvent faire des réunions familiales contre vous. Ils vont faire des groupes WhatsApp. En fait, tu es tellement importante. Tu es la lumière de ta famille. Tu es la lumière de ta ville. On va s'asseoir pour parler contre toi. C'est toi qui te simplifies. C'est toi qui te simplifies. Tu es tellement important pour les gens-là qui vont s'asseoir. Donner le rendez-vous. Ou bien un de tes oncles va prendre le temps, il va appeler tous les gens de la famille pour parler mal de toi. Oh, vous avez vu Jocelyne? Elle a fait comme ça. Elle croit même que quoi? Clic. Eh, vous avez vu Jocelyne? Elle croit même que quoi? Clic. Hein? Tu as vu ce que Jocelyne a fait l'autre jour? Non. Clic. Le frère de ton père ou le frère de ta mère. C'est comme ça que tu vas savoir que tu es choisi. Les gens vont se lever spécialement pour te nuire. Ils vont faire la conférence. Les vidéos call de groupe là. Contre toi. Et justement, ça va tout venir te trouver. Oh. Sorti de leur groupe, tu les as laissés là-bas dedans. Bonsoir, le roi Walter. Tu es sorti du groupe, tu les as laissés que pardon, restez là-bas dedans, laissez-moi tranquille. Oh, quand le jour tu sors, hein, comment que quoi? Hein? Hein? Et que tu les calcules encore? Le groupe de commérage te sert à quoi? Tu veux les only positive vibes? La belle audacieuse, c'est à moi que tu parles. Et quoi qu'il y a l'eau dans votre tête ici sur Facebook, hein? Il y a l'eau qui passe un peu dans votre tête. Vous pensez que quand je suis ici là, on est allé à la cile ensemble. Si tu as bu le jaune de fou, pas venir ici là m'embêter. Donc un autre signe qui peut te faire savoir que tu es choisi. Tu t'intéresses beaucoup à la spiritualité. Tu restes profond, ça, la seule, tu, l'affaire de celle-ci qui n'est pas là, tu faisais même ça depuis longtemps. Tu restes profond, ça, là, un truc te dit que prends le sel, prends le jujube, fais comme ça, tu fais. Donc, tu restes comme ça, là, tu es guidé. Tu es guidé.
intuitivement comme ça là. Giovanni Luna. J'aime le genre là. Quelqu'un ne peut pas venir chez toi par erreur. Il ne peut pas dire que je suis passé dans le coin. Non. Si tu viens chez moi, tu avais vraiment l'intention de venir chez moi. Et j'aimais le vigile. Ayez les vigiles chez vous. La personne vient, il ne t'a pas prévenu qu'il vient. Le vigile lui dit que tu n'es pas là. Même s'il voit tes 5 voitures garées dehors. Bon, un autre signe pour savoir que tu es choisi. Tu aimes beaucoup aider les gens. Les choisis sont choisis parce que Dieu sait que s'il vous donne beaucoup d'argent, vous allez donner aux gens. Dieu sait que s'il vous donne longue vie, vous allez profiter de l'espace, de cet temps-là pour aider les gens. Dieu sait que si demain, tu as 10, tu vas prendre 9, tu vas diviser aux gens, tu vas donner. Même si tu as aidé dans le passé, les gens ont abusé de ta confiance. Tu n'as pas arrêté. Tu n'as pas arrêté. Ils ont abusé. Ça ne t'a pas stoppé. Même aujourd'hui, la sorte te donne encore, tu vas aider. Tu vas faire. Parfois, c'est quelque chose qui embête beaucoup les choisis. Tu as aidé les gens, ils ont abusé de ta confiance. Maintenant, tu as l'impression que tu vas arrêter. Tu ne veux plus aider quelqu'un. Dans l'essence du choisi, tu comprends? Dans l'essence du choisi, tu vas donner. C'est ça même qui fait ta puissance. Tu ne sais même pas. C'est ça qui te protège. Il y en a parmi vous que si ce n'était pas vos dons, ce que vous êtes déjà mort depuis longtemps. Parce que les gens sont partis chez le marabout. Le marabout lui-même a dit que l'autre, c'est là, hein, gars. Anofi touch. Anofi touch. Hein. Donc, il ne faut pas vous décourager. Comme Paul a dit dans la Bible. Don't be tired of doing good. Ne te fatigue pas de faire du bien. Parce que dans le bon, la bonne saison, tu vas récolter. Si tu ne te fatigues pas, tu vas récolter. Voilà. Donc vous ne pouvez pas vous fatiguer de faire du bien. Maintenant, vous devez savoir comment aider les gens. On n'aide pas seulement bêtement. Ce qui fait ta force, c'est le fait que tu aides les gens. J'ai des fois, j'ai aidé les gens, même à mes propres frères. Arrive quelque part, on me donne quelque chose. Avant d'arriver même à la maison, j'ai aidé nos gens. La reine Louise, c'est ça. On peut pas, on peut pas, un choisi ne peut pas arriver à faire du mal. Parce qu'un choisi, c'est un agent de lumière. Un agent de lumière est là pour éclairer les gens. Un agent de lumière est là comme un ange. Vous êtes la main de Dieu sur la terre. Bon, c'est pas seulement pour que Dieu vienne guérir à travers les gens, à travers toi. Tu touches les gens comme ça, ils tombent au sol. Pouah, oh, je suis guéri. Tu possèdes un agent, genre,
Dieu te dit, va payer le loyer de la femme là. Tu vas payer son loyer. Quand, dans tes prières, tu as quoi? Seigneur, aide-moi à acheter la maison. Seigneur, guéris-moi. Pourquoi vous voulez seulement répondre à la prière de guérison des gens? Seigneur, donne-moi le don de guérison. Seigneur, donne-moi l'argent pour que je puisse construire les maisons aux gens. Vous comprenez, non? Donc, généralement, les gens qui ont le don de guérison, ils sont aussi très généreux. Ce sont les dons que tu fais, les aumônes. Allez lire dans Actes chapitre 10. Il y avait un homme qui s'appelait Corneille. Soit c'est chapitre 9, soit c'est chapitre 10. Corneille avait fait beaucoup d'aumônes. Il avait même construit une église dans sa ville. Et la Bible dit que Dieu s'est rappelé, a vu ses aumônes. C'est pour ça qu'il a envoyé Pierre pour prêcher à Corneille, pour qu'il soit sauvé, lui et sa maison. Donc tu es la main de Dieu sur la terre. Supposons que tu envoies un ange pour qu'il vienne pour aider une famille. L'ange ne peut que parler. Quand vous demandez aux ancêtres de vous parler, c'est pour que s'ils ont des choses de bien, et ils sont là que pour le bien, à faire sur la terre, qu'ils passent par toi. Donc, un choisi, c'est quelqu'un qui est un canal, un pont entre l'invisible et le visible. C'est pour ça que le mauvais esprit ne peut pas venir te parler, parce qu'il va te dire, il va faire du mal à telle personne. Et ça ne va pas passer chez toi. Ne peut pas passer. Parce que tu fais trop de bien autour de toi. Donc ne cherchez pas à devenir dur ou mauvais. Cherchez seulement à avoir plus d'argent. Cherchez à avoir plus d'argent. Un autre signe pour savoir que tu es choisi. Tu es un canal. Ça se joue un peu à ce que je viens de dire. Les gens viennent à toi pour recevoir leurs réponses. Comme là, par exemple, beaucoup d'entre vous, vous venez à moi. À travers moi, vous vous connectez avec vos ancêtres. Il y a beaucoup parmi vous, vous comprenez déjà ce que l'esprit dit. Parfois, tu marches comme ça, là, tu arrives dans la rue. Une voix te dit, le mendiant là, donne-lui 15 000. Donne 15 000 au mendiant là. Tu ne sais pas pourquoi tu pars, tu donnes. Donc, avant que les gens ne viennent à moi pour demander qu'est-ce que mes ancêtres disent, j'étais plutôt un canal de bénédiction seulement. Je reste dit, ah, je suis à l'église comme ça, je vois une fille qui souffre. Moi-même, je soufflais. Oh. Je prends ma petite, mon petit argent dans ma petite souffrance là. Je pars. Dieu m'a dit de te donner ça, je donne. Je crois que les ancêtres vont même d'abord tester ton cœur. Oui, ta propre famille va vouloir que tu arrêtes. Mais oui, non, les mauvais esprits vont passer par tes proches. Tu vas lire là. Il faut que tu les maîtrises. Mais tu vas les maîtriser. Écoutez, tout challenge spirituel, c'est une école. C'est une école.
C'est une école. Pour savoir aussi que tu es choisi, tu as souvent les rêves lucides. Ou tu dors peut-être, tu vois clairement comment ton pas. Parfois même, tu vois les choses avant que ça n'arrive. Tu rêves peut-être que tel cousin va mourir. Tu vois un peu. Ainsi la reine Sylvia. Merci Magne. Magne Sylvie. Il a donné ton nom. Hein. Tu as compris Magne Sylvie. Quand tu vas venir, la reine Sylvia Assiakui. Quand tu vas venir, il va t'appeler Magne Sylvie. Un choisi canalise la bonne énergie. Et tu veux seulement répandre la bonne humeur. Tu veux que tout le monde autour de toi soit bien. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui veut être bien. Oh, you are. Tu veux le bien. Je faisais seulement pour t'aider. C'était pour. Eux-mêmes, ils ne veulent pas leur propre bien. Les ancêtres ne sont pas fous, hein. Ils vont tester ton cœur. Si on te dit tel secret, tu vas faire quoi? On te montre que telle personne souffre. Est-ce que tu vas aller te moquer de lui ou bien tu vas aller prier pour lui? Je peux vous dire le nombre de fois que je jeûnais pour les gens. Louise, tu dois faire le salaka. Est-ce que tu vas te lever et dire, ah, j'avais vu qu'il devait mourir. Et parfois, en tant qu'agent de lumière, tu n'as pas besoin de toi. Tu peux te lever. Juste une petite prière de 30 secondes. En 2012, j'ai eu ça. J'ai rêvé qu'un de mes cousins qui était dans notre pays en euros, qu'il a fait la salade, qu'il est mort. Et l'esprit me revient, va pisser, ça m'énerve, je me lève de mon pipi, je dis, oh. Après, je me dis, prie pour lui. J'ouvre la bouche, je prie. 2 jours plus tard, ma cousine m'appelle. Est-ce que tu sais qu'il a eu l'accident? Le véhicule même est irrécupérable. Il est entré en bas d'un camion. Il est sorti de là, avec une égratignure. Ici. Rien d'autre. Quand il m'a dit qu'il a fait l'accident, il me rappelle que dans la nuit, vers 3 heures comme ça, il y a ça 2 jours. Et je me réveille pour prier pour lui. Votre famille ne fait que son rôle. Si vous avez les familles Ticone, ils ne font que leur rôle. Ils sont là pour vous faire croire que vous n'êtes pas un choisi, jusqu'à ce que vous-même. Vous décidez de croire que vous êtes choisi. Comme Superman ou Highlander. Tu n'as pas de don, tu n'es personne. Jusqu'à ce que tu dises que non, je suis le choisi. Je suis Superman. Yeah! Faut que je fasse la comédie, hein, parce que vraiment ma passe là. Marie, le combat doit venir. Ça doit venir. Ils sont là pour te faire croire que tu n'es pas. Tu sais que tu es. Jésus lui-même a dit, un prophète n'est pas accepté chez lui. Pourquoi tu attends que ce soit eux qui t'acceptent? Jésus a dit que même le monde m'a rejeté. Et il a dit que s'ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter.
faut savoir aussi que tu es choisi. Tu es très intelligent. You're smart. Tu arrives quelque part au salaire. Tu vas vraiment faire quelque chose une fois. Clic, tu prends. Tu arrives dans un pays comme ça, quand les gens sont en train de souffrir, wow. Tu vois, il y a tel business qui donne. Le lendemain, tu as ouvert ton petit kiosque là-bas, tu vas les bénir. Tu vois comment on joue à un jeu là, là pour une fois. La prochaine fois qu'ils sont en train de jouer, tu pars, tu joues, tu gagnes tout le monde. Tu as l'esprit éveillé. Ce jeune enfant que quand il est petit, tu vas voir que il te voit utiliser un appareil une fois. Tu peux regarder. Tu le trouves un autre jour qu'il a descendu, il l'a utilisé seul. Alors que même toi-même, le jour où tu utilisais ça, ça te dépassait. Le genre d'enfant là, il a un esprit qui capte. Si tu es une tanticone, tu vas vouloir bloquer ton neveu là. Mais si tu es une bonne tante, une templetonne, une tantetonne, on est simpleton. Il faut que tu trouves le vocabulaire, c'est d'augmenter. Tu vas plutôt l'encourager. Oui, la reine Héritia. Le rejet chez les choisis, ça fait partie du jeu. Après, tu vas transformer ce rejet en âme. Genre, on te lançait seulement. Yeah. Avant, tu faisais ça. Aïe, aïe. Maintenant, tu fais quoi? Quand ça vient, tu fais. Oups, tu attrapes. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Les flèches que tu pleurais que ça te faisait mal avant, tu prends ça, tu utilises pour faire des choses qui vont t'aider. Et ça, c'est la saison où la connexion des choisis est en train d'augmenter énormément. Les choisis sont en train de se connecter entre eux. Parce que là, vous n'êtes pas sur la page, c'est par hasard. Vous allez vous connecter entre vous d'abord. Et puis, le plus on se connecte, les agents de lumière, plus notre puissance augmente. Et on s'active. On s'active. Je vous active, vous me renvoyez aussi, vous m'activez. Il est temps pour vous de sortir de toutes les dépressions dans lesquelles vous étiez. Avant, tu pensais que tu étais la bête noire de la famille. Le black sheep. Maintenant, tu comprends juste que tu es choisi. Et que tu comprends que ce n'était pas ta famille, en fait. C'était ma famille adoptive. Ouais. Maintenant, quand tu localises ta vraie famille, c'est comme si tu te retrouves. Tu commences à avoir confiance en tes dons. Souvent, tu sais que tu aimes trop aller vers les gens. Parce que les agents de lumière sont comme ça. Quand vous arrivez quelque part, vous voulez que tout le monde soit à l'aise. Vous voulez donner la joie aux gens. Et ça énerve les Decepticons. Donc, parfois, tu étais avec un mari Ticon qui te disait, ouais. Je vais te montrer que tu veux draguer les hommes là ou quoi. Non, je suis juste comme ça, c'est ma personnalité. I have a bubbly personality. You know? What's wrong with you? I'm a bubbly person. So let me be. Tu peux aller dans un centre commercial. En fait, ta puissance, c'est le jacquet. Tu arrives dans un centre commercial. Tout le centre commercial, même la ville, ressent ton énergie. Du coup, partout où tu marches, j'ai eu ça quand j'étais allée en Turquie. Oh, on me disait non, les Turcs sont racistes. Oh my God. Un jour, et j'étais toujours avec le chauffeur. Un jour, je suis descendu dans la rue seul. Quand j'ai marché dans la rue seul en Turquie, les petits enfants viennent, ils veulent prendre les photos avec moi.
La mère dit, oh, est-ce que mon enfant peut se filmer avec toi? En fait, il y avait déjà les signes depuis. Je suis allée en Turquie en 2018. Il se comportait avec moi comme si je suis une star américaine, comme si je suis Rihanna. Il voulait un peu me saboter. Tu vois, quand tu veux t'auto-saboter, là, genre, ah, peut-être qu'ils n'ont jamais vu une noix ici, là. Non, c'est ton énergie. Exactement. Carole Nelson, beaucoup de personnes ont ça. J'ai une reine qui est venue chez moi l'autre jour. Maman, les clients voulaient savoir. Les clients sont venus. Jusqu'à tu arrives, toi-même là, qui est venu, on avait commencé à te servir, on t'oublie. Pour aller servir tous les clients qui arrivent. Et quand on sert une personne, cinq arrivent. Une personne, cinq arrivent. Les hommes venaient se fumer avec moi dans la rue. Les enfants, tout. J'ai dit qu'en marchant, j'ai regardé ça. Là, c'est les périodes où j'écoutais la voix de Dieu, mais je doutais beaucoup le temps là. Je faisais comme ça là. Vous connaissez la femme qui dit comme ça là, non? Oh là là, tu attires beaucoup les enfants. Oh my God. D'ailleurs, tu t'entends beaucoup avec les enfants. Écoutez, hein, moi je comprends beaucoup Jésus maintenant. Laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Tu as cette connexion rapide avec les enfants. Certains choisissent en temps de communiquer même avec les bébés. Bon, je vous ai donné quelques signes pour savoir que vous êtes choisi. Vous aimez aussi là, vous êtes véridique. Vous ne connaissez pas prétendre. Donc, c'est vert, c'est, tu dis que c'est vert. Et donc, elle va mentir comme ça là pour qu'il te donne. Tu n'es pas toi sur ça. Quand la moto ne peut pas te bâcher, c'est pour ça que tu sais que tu es choisi. Rosine, il faut acheter la voiture. Monte sur la moto, pourquoi? Bonsoir la reine Linda. Quel est le dernier point que j'ai dit? Un choisi peut avoir une femme choisie. Généralement, les gens que Dieu va vous envoyer, ce sont les gens qui vont vous comprendre et qui ne vont pas vous empêcher de faire ce que vous êtes appelé à faire. Parce que soyez honnête, c'est une question de temps. Un choisi sera célèbre. Un choisi sera célèbre. Deux choisis peuvent se marier si vous êtes mature, si vous avez déjà mûri. Supposons que tu es un choisi. Tu es à un niveau où tu connais ta mission de vie. Tu es en train d'aider les gens à faire cela. Donc tu agis déjà sur ta mission de vie. Et tu rencontres un choisi qui est encore peut-être bloqué dans la veille de sexe. Oh, tu m'as trompé. Oh. Mais tu rencontres un homme, tu es une femme. Tu rencontres un homme qui est choisi lui-même, mais il n'est pas encore à l'étape où il est convaincu qu'il est choisi. Donc du coup, tu es droite avec lui, honnête, parce qu'un choisi qui sait vraiment,
Il est ouvert, véridique, pur. Comme ton, avec lui, c'est ce que tu vois que tu as. C'est pour ça que les gens croient qu'ils vont t'escroquer quand ils viennent dans ta vie. Oh, elle a beaucoup d'argent. Oh, son ex, elle donnait telle somme à son ex. Oh, ça veut dire que moi, je ne sais pas avoir. Donc, quand tu as le genre de personne qui vient à toi, qui n'est pas encore décidé que je suis choisi, je vais suivre mon truc, ça peut faire clash. Parce qu'un choisi, c'est quelqu'un que, en priorité, les gens qu'il doit aider, il va les aider. Moi, j'ai dû établir ça dans ma tête d'abord. Vous savez combien d'heures par jour je passe à travailler sur les gens? Avant, je me disais, mais je n'ai plus de vie. C'est quoi ça, Seigneur? Je n'ai plus de vie. Comment est-ce qu'on va me draguer? Ah, je suis toujours à l'intérieur, je ne sors jamais dans la rue, je fais rien. Bonjour la reine Amel. Donc, quand tu sais que tu es choisi, il y a les étapes. Tu sais, sûr, tu seras célèbre. Majorité, les hommes, les gens d'hommes cas social là. Pour améliorer leur vision, ça te perd le temps, ça te prend de l'énergie. Grâce à ce Marcel-là, mon fils là-bas, tous mes clients vont me draguer, je suis folle. Souvent, ça fait plaisir à une femme qu'on la drague aussi. Et comme les hommes ont souvent peur de moi, là. Il m'arrive devant moi, il fait il dit pas allô. Stéphanie Naomi, ça demande beaucoup d'énergie pour aller changer le sale caractère d'un homme. Parce que si l'homme ne veut pas changer, tu perds ton temps. Et si tu es choisi, tu te mets avec un Decepticon. Tu vas tourner n'importe comment. L'esprit va le chasser. Un choisi ne peut pas se mettre avec n'importe qui. Parce que ta mission est trop grande pour que les ancêtres te laissent être sabotés. Pas un Decepticon. Carole, ça veut dire que Dieu, Carole, là, Dieu t'a montré. Donc faites beaucoup attention quand vous savez que vous êtes choisi. Parce que si tu te permets de sortir avec un homme qui ne sait pas qui il est, vous allez avoir les problèmes, les faux problèmes tout le temps. Soit ça doit être un homme très posé, qui comprend et respecte. Parce qu'un choisi est très spirituel. Tu entends parler des chakras, des cristaux. De recharger ton cristal à la lumière, de faire des bains de sel. Si tu sors avec un Decepticon, ce sera chaud. Tu vois, je sais, laver avec le sel, il va dire, oh, oh. Et t'avais des trucs là, ça va me servir à quoi? Va dire, oh. Après, ce sera comme c'est toi qui le force.
Bedou Chana, le Seigneur va permettre ton rêve de se réaliser un jour. Tu vas me rencontrer. Louise et Michel. Et choisi, étant donné qu'un choisi est véridique, droit, direct. Parfois, tu vas rencontrer un homme le premier jour, ça là. Il ne te drague pas, tu le dragues. Tu lui dis que tu me plais. Tu le dis net parce que tu es droit au but. Tu ne tournes pas les trucs quand tu contournes. Il t'invite au restaurant, tu peux manger son argent. Semaine prochaine, tu manges son argent. Semaine d'après, tu manges son argent. Première nuit, tu dis que gars, dis-moi, tu veux quoi? Il dit, moi, je veux Poupi. Il dit, Poupi là. Ouais. Ramini Menekan, prier pour les gens, ce n'est pas un fardeau. Tu dois aussi avoir ton bien-être dedans. Pas le genre que tu deviens comme moi. Je dois prier pour les gens si c'est tellement dur. Et comment savoir que tu es choisi? Tu as toujours su que tu es connecté à Dieu. Non, rien d'esthétique, je m'amusais. Il y avait bien. Super. Si tu guéris déjà, c'est bien. Aide. On va sceller ta guérison par le sang de Jésus. Tous ces serpents qui sont dans ton dos, je commande à cette entité maléfique de sortir. Et de ne plus revenir au nom de Jésus. Donc vous savez comment vous me faites rire. Vous ne devez pas jouer avec votre spiritualité. C'est vrai que je suis là et ris chaque jour, vous pensez que je ris. Parce que je n'ai rien à faire. Et une bataille spirituelle intense qui est là-dedans. Il y a des hommes qui sont dans votre vie seulement pour vous détourner. On les a mandatés. On a mandaté les hommes là. Viens dans ta vie comme ça, là, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu ne fais rien. Toi-même, tu sais que tu n'avances pas. Toi-même, tu sais. Tu es dans la nuit comme ça, tu sais que je sens que je dois quitter l'homme-ci. Tu te vois dans sa maison, tu cherches la porte fatiguée, tu ne sors pas. Tu cherches la porte pour sortir de la maison, là, dans le rêve. Tu le quittes. Tu te rappelles comment il te menaçait, il te tapait, il te minimisait. Tu fais 2 mois, tu vas encore toi-même porter tes pieds pour rentrer.
Ton âme est en pleine manipulation, ma chérie. Mon chéri. Parle à ton cœur. Il y a certaines choses que vous devez souvent mettre devant votre visage pour ne pas oublier. Rappelle-toi, comment tu voulais prendre tes bains de sel le matin? Il refusait. Tu te lèves, tu parles avec un don. Il te dit, ah, pardon, laisse-moi tout ça. Tu restes dans le lit comme ça, tu priais que Seigneur délivre-moi de l'homme-ci. Te voilà 2 mois, 6 mois plus tard, tu as oublié. Tu as oublié. Rappelez-vous d'où vous venez. Les nuits où l'homme ne venait pas chez toi dormir. Là, la nuit, les ancêtres te parlaient. La nuit où vient problème, 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 vous vous engueulez. Tu dors comme ça, tu es fatigué, tu as bagarré dans le rêve. Ce sont ces esprits-là. Donc voilà aujourd'hui, tu vas encore retourner là-bas. Maintenant que vous savez que vous êtes choisi, sachez qu'un choisi est appelé à faire de grandes choses. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez beaucoup de personnes à délivrer là-dehors, à aider. Vous avez des écoles à construire. Vous avez des orphelinats. Ericia, travaille sur toi. Dans ton travail spirituel, oublie d'abord l'homme. Libère-toi totalement. Soit l'homme là va venir, soit l'autre personne qui est pour toi va venir. C'est comme une porte que tu veux ouvrir. Mais dans le trou de la clé, il y a la saleté. Ne cherche pas que la clé vient, clé. Je veux un homme, je veux un homme. Nettoie le trou de cette porte. Libère-toi de ce qui te bloque. Bonsoir, Kavia. Magne Sylvie, tu as la mission sur terre, tu as compris. Mais je te dis que tu as une mission déjà. Que toutes tes dépressions, là, tu es en train de guérir. Nettoie-toi d'abord. Quand tu vas finir de nettoyer, la bonne clé va venir. Seule. Parce que même quand j'étais bouché, même si la bonne clé venait, ça ne pouvait pas entrer. Le match ne pouvait pas se faire. J'espère que vous allez comprendre ce que je dis. J'ai une formation pour découvrir sa mission de vie. La formation coûte 100 000 francs. Écrivez sur WhatsApp pour dire que vous voulez la formation de mission de vie. Vous donnez des dates de connexion. C'est tout.
Bon, je vais aller me reposer un peu. Carrel, tu es paresseuse, tu es paresseuse. Tu aimes que quelqu'un d'autre fasse le travail pour toi. Tu es paresseuse, ma chérie. Tu as compris. Bonne soirée à vous. Je vais dormir. Bye bye. Bye. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne bienvenue sur la page. Il y a plein de vidéos ici. Chaque jour, je fais en moyenne une vidéo. Ça, c'est la deuxième vidéo de la journée. Bonne soirée.